Bonjour. Bonjour. James Scofield. Vous êtes avec Mark Brown. Bonne chance. Je suis James Scofield. Je vais m'installer ici. T'es humble, j'imagine. Ouais. Super. T'as choisi compta? Quoi? Et t'as choisi comptabilité? Écoute-moi bien, j'ai pas l'intention de te raconter l'histoire de ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un diplôme. Si tu pouvais écraser, ça me permettrait d'étudier. Je vous adresse toutes mes excuses, votre sainteté. Et joue pas ce jeu-là avec moi. Je t'étalerai sur le plancher en 5 secondes. Oh, vraiment? Et tu ferais comment? Taekwondo, Tengsudo, Tambo, Aikido, Jiu-Jitsu. Tu fais du jogging? Je n'attends pas les rats de bibliothèque. Et ça va pas de mettre le réveil à cette heure? T'as failli me faire éclater la tête. Tu m'as bien dit de bonne heure, non? Je le crois pas, ça. Je suis pas habitué à la vie en fac, c'est nouveau pour moi. Et tu te prends certainement pour une vedette du kung-fu. Très bien, il est temps de le prouver. Allez, fais voir ce que tu sais faire. Amène-toi. Sérieux, hein? Désolé, vieux. Je voulais pas te faire mal. T'es pas manchot. Tu devrais continuer. Mais le chaos sera du noir. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, mais le chaos sera du noir. Ça sert à ça, les négros. Pas vrai? Je ne sais pas quel est ton problème, face de rat, mais il faut pas que tu me provoques. Sinon, c'est toi que je vais mettre KO. Oh, tu me fais peur. J'espère bien. Dirais que t'es nouveau sur le campus. Alors je passe l'éponge ce coup-ci. Mais je te suggère d'être un peu plus intelligent au moment de choisir tes potes. C'est dangereux par ici. Il arrive qu'on se fasse cogner. Et ça peut faire mal. C'est Greg Tanner, le chef des Tigres Blancs. Il habite dans le quartier depuis une vingtaine d'années et sa famille l'a envoyé se faire soigner chez un psychiatre, mais il est revenu encore plus fou qu'avant. Si j'étais toi, je perdrais pas de temps avec lui. Ouais. Mais ce gars-là mérite une correction. Ah, excusez-moi. Je suis en retard. Hein? Oh, ah oui, moi aussi. Écrosystème. C'est écosystème. Je suis nouveau ici. Tu pourrais peut-être me servir de guide après le cours. Je suis présidente du groupe des étudiants pour un meilleur environnement et on a une réunion après. Excusez-moi, jeune homme. Cela vous dérangerait-il de vous asseoir? Merci. J'espère qu'à la fin de ce cours, vous aurez tous réalisé que la Terre n'appartient pas à l'homme, mais qu'au contraire, c'est l'homme qui appartient à la Terre.
c'est ici. Depuis quand tu y enseignes? Oh, depuis quelques années. La plupart des gosses ont eu un passé houleux, mais ils vont mieux maintenant. Seul ennui, c'est que le propriétaire a vendu. Ils vont construire à la place un énorme centre commercial, un truc avec des boutiques, enfin tu vois le genre. Dommage. Ouais, juste quand ça a commencé à marcher. Allez, viens. Bonjour. Allez, en ligne. Salut. Bien. J'ai deux annonces à vous faire aujourd'hui. Premièrement, il y aura bientôt un tournoi. Il est ouvert à tous. Le vainqueur recevra 25 000 $. Bien sûr, je serai moi-même en compétition. Vous croyez que Greg Tanner en fera partie? Certainement. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis heureux de vous présenter un ami. Il s'appelle James Caulfield. Il se bat très bien et sa technique est excellente. Presque aussi bonne que la mienne. Je vous demande d'être très attentif. Regardez et enregistrez. C'est à toi. Très bien. Asseyez-vous. Nous allons travailler sur un enchaînement de coups de pied. Pour commencer, ce sera... coup de pied dans les jambes ou les genoux, je ramène ma jambe, coup de pied à la tête, pivot et coup de pied à nouveau à la tête. En garde. Et tout d'abord, coup de pied au genou, ramène ta jambe, coup de pied à la tête, tu pivotes, autre coup à la tête et retour en position de garde. Debout, mettez-vous par deux. Vous êtes prêts? Allez-y. C'est un bon groupe. Ouais, toi aurais dû les voir il y a moins d'un an. Dans la daube jusqu'au cou et aucune envie de vivre. T'as fait du bon travail avec eux. Ouais, et j'aimerais bien gagner le tournoi pour pouvoir ouvrir ma propre école avec l'argent. Tu le fais aussi? J'en sais rien encore. Et j'ai besoin d'argent maintenant, pas dans 6 mois. J'ai peut-être un bon tuyau à te donner. N'oubliez pas le pourboire. J'adore ce boulot. Bonjour, Kimberly. C'est pas une heure pour sortir? Je ne savais pas que tu travaillais ici. Je commence juste, c'est le premier jour. Je te présente James, Teresa, une amie. Ravie. Bonjour. On recrute pour notre groupe sur l'environnement. Tu veux en faire partie? C'est-à-dire que je suis déjà très occupée. J'ai ce travail et je fais aussi du karaté après les cours. Je suppose que ça t'est complètement égal de voir que la pollution est en train d'anéantir toute forme de vie sur cette planète, y compris la tienne. Mais non, je trouve que c'est important, l'environnement. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper maintenant. Le jour où tu décideras à nous rejoindre, la couche d'ozone sera sûrement complètement détruite. Tu ne crois pas que tu es un peu... Ah, on ne parle pas, jeune macho. Il y a la vaisselle. Tout de suite. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans la salle? J'étais juste en train de faire une touche. Si tu crois que c'est un bar américain, tu fais erreur, petit macho. Il s'agit de ma vie privée, alors mêlez-vous de vos oignons. Tu parles fort, mais tu pues de la gueule. Voilà, enfin. Le client est très pressé. Bien, monsieur.
belle défenseur de la veuve et de l'orphelin. Le petit bleu, qui a peur de rien. Eh, t'es toujours pote avec Face de Goudron? C'est quoi au juste ton problème? J'ai aucun problème. Eh, vous avez un problème, les gars? C'est ce que je pensais. On dirait que c'est toi qui en as un, beau blond. Tu devrais pas te mélanger. Fais gaffe à ce que tu dis. N'insulte pas mes amis. Fais gaffe à ce que tu fais. Fréquente pas les gorilles. Ça sent mauvais. James! Très bien, Leader. À l'extérieur. Ouais. À l'extérieur. Tu peux te battre? Je suis prêt. T'es pas mauvais, beau blond. Mais je suis meilleur. On pourrait t'utiliser chez les tigres. T'as assez de cran pour ça. Je ne mettrai jamais les pieds dans ta saloperie de gang. Tu préfères les avoir dans la merde? Tu devrais retourner dans la bouche des goûts d'où t'aurais jamais dû sortir. J'y vais, petite gueule d'amour. J'y vais. Mais souviens-toi d'une chose. C'est moi le meilleur. J'en croyais pas mes yeux. J'étais dans le restaurant, Kimberley y était avec une amie, et le voilà qui me cherche. C'est pas vrai. C'est trop, ça, mon premier jour de boulot, et il faut que je me batte. Vous savez qu'il allait revenir à la charge, il ne lâche jamais le morceau. J'ai déjà une centaine de signatures, mais il m'en faut beaucoup plus. À plus tard. Il y a des centaines d'hectares de forêt qui sont brûlés en Amazonie chaque jour. Et ça doit faire un feu de joie extraordinaire. Tu veux signer la pétition? Tu manques sans doute de temps. Oh, y aurait-il une légère hostilité dans cette voix? Bien, chef, je signe. Tu as disparu hier soir? Je n'aime pas les bagarres. Je n'aime pas les sectaires. Eh bien, finalement, on a quelque chose en commun. Bien. On pourrait en discuter dans un restaurant. J'aime pas les racoleurs. J'ai l'air d'un racoleur. Non. On a un examen en écosystème dans 15 jours. On peut étudier ensemble si t'es sérieux. Chez toi ou chez moi? Non. Très bien. En voilà une. Et quelle sorte de plante avait-on dans la période paléolithique? Tu n'es pas du tout avec moi. Ah, je suis complètement avec toi. Ça fait plus d'une heure qu'on étudie et tu n'as répondu à aucune question. Et je suis un peu distrait. Oh, ça suffit. Je savais que je n'aurais pas dû le faire, mais je l'ai quand même fait. C'est ma faute, mais je n'ai pas envie que tu me déshabilles du regard. Je ne te déshabille pas du regard. Je t'admire. Ah, ça, c'est une remarque de racoleur. Et ça veut dire quoi, exactement? Ça veut dire que tu as une seule chose en tête et un seul organe qui marche, et ça n'est pas ton cerveau. Peut-être que si on discutait de choses intéressantes, je l'utiliserais, mon cerveau. Quelle chose? Les arts martiaux, par exemple. Ah, super! C'est une découverte extraordinaire pour le bien de l'humanité. Ça permet de se détruire un peu plus les uns les autres. Génial! Et le papier que tu utilises, c'est des arbres qu'on détruit. Bonne nuit, Monsieur Chan. Bonne nuit! C'est notre beau blond. Toi, tu vas voir ce qu'on fait aux mecs trop prétentieux dans cette ville. Bouge pas, quel d'amour. Cassez-le en deux, ce morveux. Faites-lui sa fête. Oh, pauvre minou.
tu vas ramper devant moi, mon petit blondinet. Va te faire voir. Rampe devant moi. Tu sais pas ce que c'est de ramper, belle gueule? Sans les mains. Appuyez fort, les gars. Laisse-moi faire. Je m'en occupe moi-même. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Ferme-la, toi. T'en mêles pas, face d'œuf. On veut juste savoir si le beau blondinet sait comment ramper. Et tout le monde sait. Moi, je peux ramper. C'est facile. Tu rampes ou je te coupe en deux? Sale chinook. Non! Ne le faites pas. Oh, je rampe, je rampe. Tu viens le chercher? On s'en va, les gars. Comment vous avez fait? Un coup de chance. Dis-moi, où est-ce que tu habites? Il faut m'emmener à l'hôpital. Non, c'est pas grand-chose, est-ce que tu... Mais j'ai mal partout. Attention! Maintenant, essaie de marcher. Avez-vous appris ça? Dans des bandes dessinées. C'est archinois ancien. Et vous vous êtes entraîné en jouant à la marelle? Hé, hey, vous allez où? Je croyais que vous me rameniez. Ramène-toi tout seul. Tu es un grand garçon. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tanner. Tanner? C'est lui qui t'a fait tout ça? Hé, hey, il est meilleur que je le croyais. Il n'était pas tout seul, ils étaient quatre ou cinq. Avec des battes et des chaînes et un revolver. Et t'étais tout seul à te battre contre tous. Wing m'a sauvé. Wing? Le petit chinois rondouillard? C'est le plus grand maître que je connaisse. En quoi? En kung-fu? Kung-fu, karaté, j'en sais rien. J'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Et je vais lui demander de m'entraîner. Eh, tu veux dire nous? Eh, t'emballe pas, vieux. Tu le connais pas, il est bizarre. Je sais même pas s'il va vouloir pour moi. Et tu vas pas me faire ça. T'es mon pote. Tu dois le convaincre de m'entraîner. Et c'est pas seulement pour gagner le tournoi. Pense à tous les gosses que je vais tirer d'affaires en fondant mon école. Allez, viens avec moi, je t'emmène à l'infirmerie. Maître! Maître! Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Je ne suis pas ton maître. Mais on veut que vous le soyez. Je n'enseigne pas aux machos. Je vous en prie, on veut apprendre. Non. Et si c'est pas pour moi, faites-le pour Marc.
S'il gagne le tournoi, avec l'argent, il ouvrira une école de karaté pour enfants défavorisés. Un tournoi? Quel tournoi? Le tournoi d'arts martiaux de Millbrook. Le vainqueur gagnera 25 000 dollars. 25 000 dollars! Non. Le kung-fu n'est pas pour de l'argent. Mais c'est pour une bonne cause. Pour des enfants. Non. L'argent rend les gens fous. Pas question. Et je ne participe pas au tournoi. Alors, c'est possible? Très bien. Je vous prends tous les deux. Génial, génial. Vous passez d'abord le test. Si vous ratez, je ne vous enseigne rien du tout. Quel genre de test? Toi et toi, ensemble, durée une minute. Allez-y. Ici, maintenant? Tu as peur? Je suis navré, vous avez perdu. À demain. Et n'oublie pas de nettoyer les toilettes. Au revoir. C'est pas si sûr. Tu es très mal garé. Non, mais je suis très bon pour apprendre le kung-fu. Je ne laisserai pas tomber. Quand on fait du kung-fu, c'est pas pour de l'argent. Le kung-fu, c'est la vie. C'est exact. C'est ma vie, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Tu comprends pas. Mais si, je comprends. C'est ma seule raison de vivre. Vous m'avez bien jugé. Et j'étais un macho qui essayait d'impressionner les gens avec ma technique. En fait, j'essayais seulement de compenser. Vous, vous êtes tellement différent. Je veux apprendre avec vous comme prof. Je te demande de m'attendre ici. Je vais y réfléchir. Vraiment? Pas de promesse. Je vais juste y penser. Super, super! Et bouge ta voiture. Garde-la mieux. Ouais! Vous y avez pensé? À quoi? À la discussion d'hier soir. Ça? Mais non, désolé, j'ai oublié. Je vous ai attendu toute la nuit ici et c'est tout ce que vous trouvez à me dire? J'ai dit je suis désolé. Vous êtes vraiment un drôle de zig. Oh, ça y est, je comprends. Le feu a pris. À tout à l'heure. Au revoir. Eh bien, t'en fais une drôle de tête. Ça va pas très fort. C'est dingue, j'arrive à rien avec Wing. Tu sais, je crois que tu devrais abandonner. Il te dira jamais oui. Pas sûr. Je suis au moins aussi têtu que lui. Oh, excusez-moi. T'as pas pu résister, hein? J'ai jamais vu un type aussi prétentieux que toi. Tu crois que le monde entier t'appartient? Regarde ce que ça t'apporte. Ça n'était pas de ma faute. Oui, à d'autres. Et ça vous ennuierait pas d'arrêter de vous chamailler? Je croyais que ça marchait bien entre vous. Sûrement pas. C'est la plus emmerdeuse de toutes les gonzesses. La seule chose qui l'intéresse, c'est sauver le monde de la pollution. Et elle a le culot de me traiter comme un débile. T'as encore beaucoup à apprendre. Patiente, patiente, mon petit vieux. Particulièrement avec les femmes.
de la patience et le monde viendra à toi. Maître ! Non, je n'ai pas encore décidé. Ça viendra. Prenez tout votre temps, j'ai de la patience à revendre. Je savais que vous diriez oui. Ouais. C'est à cause de ma patience? Non, à cause des cochonneries. Quoi? Hier soir, tu n'as mangé que des cochonneries. 3 coca, 2 sandwichs, 2 paquets de biscuits. Des cochonneries, ça me rend malade. Et ne m'appelle plus maître. Appelle-moi Sifu. Sifu Wing. Montre-moi ton meilleur coup. Comme dans les films, pas pratique. Qu'est-ce que je fais de travers? Tu vas me redonner un coup de pied, mais cette fois très fort. Très bien, mais c'est vous qui l'aurez voulu. Ta taille est faible. Par conséquent, ton coup n'a pas de puissance. Qu'est-ce que je dois faire alors? Debout. Qu'est-ce que tu sens? Je sens une grande puissance. Ta taille, c'est ce qui est à la base. Et si ta base est très ferme, alors ton coup sera plus rapide et beaucoup plus puissant. Maintenant, je vais t'apprendre à avoir plus de puissance dans la taille. Aujourd'hui. On se retrouve demain à 6h du matin. Hey, bonne nouvelle, mangeur de livres. Quoi? Il l'a fait. Qui? Wing, il me donne des cours. J'ai eu ma première leçon. Tu blagues? Écoute, j'ai juré de ne pas me battre pour de l'argent. Mais je n'ai pas dit que je ne t'entraînerai pas. Ouais! 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 Bonjour, Wing. Content de vous revoir. Et c'est fermé, non? Oui. Et il vous laisse entrer? J'ai épousé la sœur de Chan. Qu'est-ce que vous avez dit à Chan pour qu'il me laisse? Je lui ai dit que tu étais un champion. J'aime ça. Pas de ça. Pas de chaussettes? Mes pieds vont geler? Dépêche-toi. J'arrive.
Attaque-moi. On dirait Bambi. C'est pas drôle. J'arrive à rien sur cette glace. Tu cherches la facilité. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est glissant, froid, dur. Et c'est encore. La concentration est très importante dans la vie. Rappelle-toi qu'il faut toujours garder ton équilibre, à tout moment et partout. Travailler sur la glace va t'apprendre à tenir ton équilibre. C'est très important. Tu peux te défendre et attaquer. Maintenant, je te montre. Ça va, vieux? Pas mal. Et toi? Ça va. T'es chaud? Ouais. T'es prêt? Première leçon, tu me donnes un coup de poing et ensuite un coup de pied. Hey, c'est bonheur, ça! Juste voilà. Bah. Tu pivotes, cours au genou, de face. Bonjour, Sifu. Bonjour. Saute et remonte. C'est facile. Le trou est trop grand. Maintenant, tu essaies à nouveau. Je ne peux même pas plier les genoux. C'est dur de soulever son corps. Utilise ça, mais pas ça. Bien, bien. Entraîne-toi, je reviendrai plus tard. Hé, hey, ça va pas! C'est impossible! Vous me prenez pour Superman? Comment vas-tu? Très mal, j'ai pas réussi une seule fois. Je comprends pas comment on peut y arriver.
J'ai essayé, mais c'est impossible. Impossible. Sors de là, je vais te montrer. Oh, oh. Rien n'est impossible. Essaie encore et encore. Nous allons maintenant parler de l'homme de Néandertal, l'un de nos ancêtres les plus lointains. Il n'était peut-être pas d'une intelligence extraordinaire, mais il vivait en harmonie avec l'environnement. Oh, je suis navré. Ça va aller? Oui. Très bien. Il savait comment survivre, et il ne gâchait pas le paysage avec des tas de détritus toxiques ou des ordures non biodégradables. Regardez-le bien, cet homme. Il se peut que nous nous retrouvions tous dans cet état-là, surtout si nous ne prenons pas garde à la couche d'ozone. Ça, c'est le vrai kung-fu. Je ne le crois pas, ça. Hé, hey, on s'entraîne maintenant. Ici? Oui. Viens voir. Il n'y a pas de place. On ne fait pas le timide. Le kung-fu, c'est comme la vie. Il est partout. Je sais, vous me l'avez déjà dit, le kung-fu, c'est la vie. Oui. Très bien, mais pas de coups de pied, j'ai les jambes en coton à cause de la plage. On fera ça plus tard. Maintenant, c'est les mains. Essaie de me taper. Aïe! Ça fait mal! Oui, on apprend plus quand on a mal. Je vais te montrer comment être rapide. Fais-le encore. Oh! Qu'est-ce que tu regardes? Eh, vos mains, qu'est-ce que vous voulez que je regarde? C'est pas bon, pas les mains, ça sert à rien. Mais enfin, vous utilisez vos mains, je dois regarder vos mains. Si c'est les pieds que vous utilisez, je les regarde. Comme ça, je sais ce que vous allez faire. Regarde les épaules, c'est mieux que les mains. Ça y est, j'ai compris. Très bien, on continue. Plus vite. Plus vite. Aïe! Maintenant, regarde mes yeux. C'est mieux que les épaules. On voit plus dans les yeux que partout ailleurs. Génial! Il y a des tables à nettoyer. J'arrive tout de suite. Tu devrais mettre du talc. Hein? Tes mains sont ouates. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est votre petit gars, là. Il est mongolien ou quoi? Faites attention. Si vous cassez la vaisselle, c'est vous qui paierez. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Je ne pensais pas que tu aurais le culot de revenir ici. J'adore dîner dans ce restaurant qui est l'un des plus élégants de la ville. Je disais justement à un de mes amis qui m'accompagne, la nourriture est excellente. Félicitations, petit larbin. Il a certaines faiblesses dans les jambes. Et je crois qu'il en a aussi dans les mains. On met les voiles, mec. C'est lui le type? On va se revoir, gueule d'amour. Mais le jour où il n'y aura pas le petit Shintok pour protéger ton petit nez fragile. Calme.
Oh, un savon trop acide. Il faut mettre de la crème. C'est mieux, hein? Bien mieux. Les mains, maintenant. Un instant. Bien. Très joli. Ça fait pas partie du kung-fu. Début de la leçon. J'ai couru aussi vite que vous aujourd'hui. Et celle-là? Des poids pour les chevilles. Super. Maintenant, cours. Courir? Je peux à peine marcher avec ça. Tu dois courir, pas parler. Tu fais ça pendant 2 semaines, ensuite on court à nouveau. C'est bon d'avoir de l'humour. Et ça fait partie des arts martiaux. Merci. Aujourd'hui, on fait travailler les gens. C'était génial aujourd'hui, monsieur. Merci, fais attention à toi. Oui. Merci, monsieur. Tout le plaisir était pour moi. À demain. Tu sais que les gosses apprécient vraiment ce que tu fais pour eux. Je crois que tu devrais t'inscrire pour le tournoi. T'es excellent. Non, j'ai dit à Wing que je ne me battrai pas pour de l'argent, je tiendrai parole. Ouais, je te comprends. Oh, je l'ai oublié, Kimberly a encore appelé. Je sais, j'ai eu le message. Tu veux que je lui dise de ne plus téléphoner? Non, je veux dire, je suis très occupé en ce moment avec l'entraînement. Thank you.
si fou. Attendez. Si fou, je suis désolé. Je me suis pas réveillé. Tu n'as pas tenu ta promesse, c'est terminé. Je vous en prie. Je vous jure que ça n'arrivera plus. Tu fais une promesse, tu dois la tenir. Aucune excuse. Je suis réellement en abri. Enlève-les. Combien de jours? 14. On va pouvoir courir? Et ça sert à quoi? On va faire un test. Avec le pied. Casse-le. Ah! Mets toute ton énergie ici. Concentration totale. Essaie encore. Ah, là! Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. C'est pas terminé. Mais j'ai réussi à le faire. Ça, c'est rien du tout. Maintenant, c'est le plus difficile. On se voit demain. Peux entrer. Assieds-toi. Jusque-là, tu as appris vite, mais il y a autre chose. Autre chose? Je vais t'enseigner quelque chose de très particulier. Souviens-t'en bien. Mais n'en parle à personne. À personne. Très bien. Jure-le. Je le jure. C'est vrai, j'en fais la promesse. Attends ici. Ne touche pas. Excusez-moi, je voulais juste... C'est quand j'ai pris le nom de Sifu. Je vais t'apprendre quelque chose sur la vie. Vous êtes sérieux ou c'est une blague? Je te présente Eric. Enchanté, Eric. Et qu'est-ce qu'il est censé faire? Tu connais l'acupuncture? L'acupuncture? Vous l'avez utilisée sur moi le premier jour? Oui. Et qu'est-ce qu'Eric a à voir là-dedans? Tu vois ça? C'est là où vous m'avez touché après la bagarre. Tu vois ça? Trop de rire. Et c'est quoi tous ces ronds? On appuie trop et ça fait rire. Ne me faites pas ça. Maintenant, attaque-moi. Ah non, je ne peux pas vous attaquer. Je te le demande, attaque. Très bien. Qu'est-ce que tu as appris avec ça?
j'ai appris que différentes parties du corps en contrôlent d'autres. Et selon les parties qu'on touche, l'acupuncture peut être utilisée pour soigner ou pour tuer. Oui. Vous vous êtes servi de ça pour étendre la bande à ta mère? Oui. Mais vous auriez pu les tuer? Oui. On soigne. Et là, on tue. Comment savoir lequel utiliser? Quand tu as faim, tu sais que tu dois manger. Et je peux donc m'en servir si on essaie de me tuer? Mais uniquement si ta vie est en danger. Promets-le. Je le promets. Jure-le. Je le jure. Ah, bonjour. Bonjour. Pas de service ce soir? Je pensais que tu ne me parlerais plus jamais. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit et pour mon attitude. J'ai été grossier, je m'en rends compte maintenant. Que s'est-il passé? Je suis un entraînement un peu particulier et ça m'a vraiment ouvert les yeux. L'acupuncture, ça en fait partie? Oui, c'est bien ça. Je ne savais pas que tu t'intéressais à ça. Il y a un tas de choses que tu ignores sur moi. Oui, tu as raison. J'adore. Ah, attrape. Ah. Allez. Arrête les bulles. Je trouve que tu as énormément changé en quelques mois. Je te préfère maintenant. J'aurais jamais cru que les arts martiaux feraient ça. En fait, c'est à Wing que je le dois. Il m'a beaucoup appris. Par exemple? Prenons l'acupuncture. Tu vois, on a tous des énergies passives qui parcourent le corps, qu'on appelle des méridiens. Et
Tu en as un qui passe ici tout le long. Et ici. Jusque là. Et si j'ai mal quelque part? Disons que tu as mal juste ici. Et ça veut dire que l'énergie est bloquée. Et alors, qu'est-ce que je dois faire pour débloquer l'énergie? La stimuler. Énormément de progrès. J'ai décidé d'ignorer Tanner. Je m'inscris au tournoi. Je m'en fiche qu'il soit ou pas. C'est très bien. Je suis fier de toi. En fait, c'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. Avant, je pensais que les arts martiaux servaient à me défendre. Ensuite, je me suis dit que c'était une façon de prouver que j'étais un dur. J'étais un peu trop sûr de moi. Je me prenais pour Superman. Je provoquais des bagarres juste pour prouver quel homme j'étais. Eh bien, je me trompais. Les arts martiaux ne servent pas à devenir un dur ni un macho. Ça sert à devenir véritablement soi-même. Alors, quand vous participerez au tournoi samedi, n'y allez pas avec l'idée de prouver que vous êtes un dur. Allez-y avec l'idée d'apprendre à vraiment vous connaître. Et quoi qu'il arrive, vous serez tous gagnants. Tu jactes bien, James. T'es pas la moitié d'un con, jolie petite gueule d'amour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vérifiais la liste des inscrits au tournoi. Et j'ai pas vu ton nom dessus. C'est exact. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas une division spéciale blondinet? T'as peur de te faire abîmer ta jolie frimousse? Hein? Moi, je m'y suis inscrit et tu peux être sûr que tu en baveras des ronds de chapeau. Toi? Tu ne passeras jamais le premier round, tireur de godasses. Ding! Dommage que le blondinet soit pas là. C'est sa petite gueule que je voudrais me payer. Désolé, je ne peux rien pour toi. Je suis en dehors cette fois-ci. Oh, m'énerve pas. M'arrive de devenir extrêmement désagréable. Par chance, les camarades que tu vois me freinent un peu. Je voudrais surtout pas esquinter ta tronche de cake. Tu devrais peut-être t'inscrire. On lève l'ancre, les enfants. Ne bouge pas. C'est fou, vous devinerez jamais ce que j'ai fait. Vite, bats les œufs, vite! J'ai enfin compris la signification de patience. Les clients attendent leur commande. Willie McCoy m'a craché à la figure ce soir et je ne me suis pas battu. Bon. Tu craches dans mes œufs. Et je ne me bats pas contre toi. Hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez manger? Oh, voilà, ça recommence. Mais j'ai faim, moi. Tu as toujours faim. Ça va, une pizza? C'est une bonne idée, non? Oui, super. Avec beaucoup de fromage et de tomates. D'ici deux mois, tu ne la reconnaîtras pas, je la quitterai parce qu'elle sera énorme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que tu devrais t'acheter les chaussures dont tu parlais. Oui, excellente idée. Oui. Très bien, on se retrouve tout à l'heure à la voiture. À tout de suite. Bon, moi je vais aller m'acheter un gâteau. Oh. Comment c'est possible, ça? T'es une honte pour la race blanche. Petite
pétasse. Eh, fais gaffe à ce que tu dis. Ta gueule, gorille. Tu dois pas la toucher. Les nègres, c'est fait pour rester sous terre. Tu as mal quelque part? Non, ça va. Oh, il faut l'emmener chez le docteur. Reculez. Va chercher la police. Allez, on se lève, les flics arrivent, debout. T'es lourd, mon pote. Dites les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'était Tanner, il m'accueille. Ça suffit. J'en ai ras-le-bol de ces deux zigotos. Et tu peux me croire, ça va chauffer. Les chiens. Aide-moi. Tu viens au tournoi demain? C'est difficile à croire, mais je viens. Peut-être que je viendrai aussi. Je suppose que Joey combattra et je voudrais bien le voir. Bonsoir, Marc. Bonne nuit, dors bien. Tu sais à quoi je pense? Peut-être que je devrais m'inscrire demain. Tu as démoli ta mère. Quelqu'un doit prendre ma cohue. Si je le fais pas, ces gars-là vont croire que tout leur est permis ici. Bien réfléchi à ce que tu dis. Il y a un autre facteur en jeu. Tu fais quoi de ta promesse à Wing? Je sais. Faut pas que tu t'inquiètes pour l'école. Après l'examen, je trouverai un travail, j'emprunterai de l'argent pour la monter. Et ça sera pas si mal. Ça te prendra des années. Écoutez, je sais que j'ai promis de ne pas me battre pour de l'argent ni d'utiliser les points d'acupuncture. Mais là, c'est différent. C'est pour Marc et les enfants. Non. Tu ne dois jamais oublier ta promesse. Mais là, c'est différent. Aucune différence. Tu dois être fidèle à tes principes. Décide toi-même. Rappelez-vous bien, il ne s'agit pas de battre votre adversaire. Il s'agit d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Où est James? J'en sais rien, il était parti quand je me suis réveillé. J'espère bien qu'ils se feront bousiller le crâne. C'est un peu raide pour une fille qui se déclare pacifiste. Eh bien, il y a un temps pour chaque chose. Vous avez raison, ma petite dame. Si, on s'avança. Mesdames et messieurs, bienvenue au premier tournoi d'arts martiaux de Millbrook. Nous avons un public très nombreux ce soir. Les juges vont prendre place. Nous allons bientôt commencer. Mais avant, je voudrais vous informer de certains changements dans le programme. Un de nos concurrents, M. Mark Brown, représentant le club du Dragon Kung Fu, a dû se retirer pour cause de blessure. Il sera remplacé par M. James Coffey.
déjà dit hier soir, tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois. Il dira quoi, Willy? T'inquiète pas, je crois qu'il comprendra. Ouais. Et vous aurez tout le temps après pour les bécots. Allez, réveille-toi, vieux. La chemise claire m'a l'air très dangereux. Ouais, t'as raison. Tu sais qui c'est? Ah, c'est la première fois que je le vois. Il est drôlement bon. Égalité maintenant. Et ça sent la fin, il reste plus qu'un tour. Tu es prêt? Tu vas le gagner. James Caulfield et le Tigre Blanc Gary Carlisle vont s'affronter pour le titre de champion de Millbrook. J'espère qu'il ne sera pas blessé. T'inquiète, il peut se réparer tout seul.
te présente Eric. Je peux l'utiliser si quelqu'un veut me tuer? Seulement si ta vie est en danger. Jure-le. Oh, et puis merde! C'est fou! Où allez-vous? Je m'en vais. Vous êtes fâché contre moi? Tu n'as pas tenu ta promesse? Vous m'avez fait signe. J'ai fait ça? Venez, je vous emmène. Ils arrivent. Ah! Descendez! Boeing, salut. C'est à vous l'honneur. J'ai retenu votre leçon. La force sans le jugement ne veut rien dire. Si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Attrape.